Bonjour, bienvenue, on va parler volleyball aujourd'hui. On va retrouver tout de suite le président Gilles Jambon et son assistant, bien sûr, Bruno Thielet, le grand organisateur de ce tournoi du jeudi 8 mai 2014, qui est un événement pour eux. C'est une grosse charge de travail. C'est un événement pour le volleyball du côté de la Calade. En effet, Zizou, ce tournoi, c'est vraiment notre vitrine au niveau de notre club. Et cette année, il y avait longtemps que ça n'était pas arrivé. Pas depuis, donc tout le déroulement a pu se faire en plein air. 59 terrains. C'est vraiment une belle organisation dont Bruno fait un super gros travail parce que c'est pas mince. Entre les partenaires, le t-shirt qui est offert à tous les participants, le matériel, vous voyez un petit peu, on a tous les barnums. La ville nous en monte un certain nombre, mais on en monte nous aussi, on en a acheté. Et vous voyez, c'est le nombre de bénévoles qui travaillent sur l'événement. Bruno, on peut voir en ce moment même, bien sûr, tous ces gens qui travaillent dans l'ombre pour le Volleyball Club de Villefranche. C'est beaucoup de bénévoles. Ah bien sûr, pour le tournoi, il faut compter. Alors, on est bon an mal an entre 250 et 280 licenciés au club. Il faut compter en gros une bonne centaine de bénévoles qui aident sur toute l'organisation, sur le tournoi, dans les 2-3 jours du tournoi lui-même. Plus des gens qui travaillent en amont pour travailler sur la sportive, sur les différentes évolutions qu'on peut avoir. Ça fait 100-120 personnes facilement qui travaillent là-dessus. Oui, alors le tournoi mixte est en évolution, c'est sûr, parce que c'est aussi une question d'air du temps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent en loisir. Tu as aussi des joueurs qui ont pratiqué un bon niveau, joueurs-joueuses, qui ont pratiqué un bon niveau, mais qui ont un peu vieilli, qui ne pratiquent plus beaucoup, et donc ils le font en mixte, avec leurs filles, leurs femmes, etc. Et parallèlement à ça, et suivant les années, on peut avoir une très bonne participation en masculin et féminin. Je dis suivant les années parce que ça dépend des championnats. Malheureusement et heureusement peut-être cette année, nos joueurs de National 2 n'ont pas pu y participer parce que dans 3 jours, on a un match crucial pour la montée en National 1, donc il n'était pas question qu'ils risquent de se blesser ou même de se fatiguer. C'est très fatigant une journée de tournoi. Les joueurs font entre 7 et 10 matchs dans la journée. C'est... Suivant les années, on peut avoir des très hauts niveaux de participation. Il y a 2-3 ans, on a eu des internationaux français. Gilles Jambon qui va nous parler, c'est vrai que pour le volley du côté de la Calade, c'est une grosse semaine, c'est un tournoi du 8 mai et c'est surtout ce match capital qui aura lieu dimanche du côté de l'Escale, un match important. Une victoire face à l'équipe de Mende et ça sera la Nationale 1 pour l'année prochaine. Tout à fait, Zizou, c'est la finale rêvée puisque on savait pas qu'en fin de saison on se retrouverait deux premiers échos et que le dernier match serait lieu du match de la montée puisque les deux équipes sont à égalité parfaite au niveau du nombre de points et du nombre de victoires. Donc le résultat est simple, celui qui gagne finit premier et monte puisqu'en fait il y a 4 poules de National 2 et que les 4 premiers de chaque poule montent en National 1. Donc espérons que la semaine se termine aussi bien qu'elle a bien commencé, on va dire. Et puis rendez-vous tous dimanche pour ce match hyper important pour les joueurs, pour tout le club. Pour retrouver la Nationale 1 7 ans après l'avoir quitté. Toute l'équipe de MaTV sera du côté de l'Escale bien sûr pour ce grand match. Vous le savez tous qu'on attend tous dans la région pour une montée en Nationale 1 du volleyball de Villefranche en Beaujolais.